Le concours pour entrer dans la prestigieuse école de formation des agents de la santé, dénommée INFAS, est lancé. Des candidats affluent de partout, se rendant au CHU de Trècheville, où est situé l'Institut national de formation des agents de la santé. Une raison est évidente, c'est qu'à la recherche d'emploi, faire ce qu'on a souhaité ne jamais faire est possible. Certains accourent pour postuler à ce concours, mais sans toutefois aimer le métier. Avoir un statut social assez intéressant est le but à atteindre. Ce qui est contradictoire aux règles et principes que l'Institut s'est donné cette année et pour les années à venir. Réduire le taux de mortalité en Côte d'Ivoire et par la même occasion, redorer le blason terni par des événements antérieurs dans le secteur de la santé. La mission que s'est assignée la classe dirigeante de l'illustre Institut est de faire le tri des personnes qui portent un intérêt particulier au métier, un désir immense de servir la patrie de celles qui souhaitent juste entrer, manque d'emploi. Professeur Ndaz Ebayentie Méliane épouse Sanogo, directrice générale de l'INFAS. Dans sa quête d'amélioration et de recherche de voies et moyens pour permettre à l'INFAS de fournir aux hôpitaux, centres de santé et à toute la population ivoirienne des services de qualité, a instauré pour cette année 2017 des cours de préparation au sein de la dite Institut. L'objectif est de donner un aperçu des métiers de la santé. Ensuite, créer une attention particulière chez le candidat au métier auquel il s'apprête à embrasser. Voilà. Alors, donc, on est maintenant au Q19. Parce que sinon, il y a les 1, 2, 3. Q19. Le SIDA. Les cours sont donnés par des professeurs expérimentés appartenant à l'INFAS, dont la mission est de préparer les candidats rigoureusement pour la réussite du concours. À la fin de chaque cours, voilà, tu nous proposes quoi? Une évaluation des candidats est donnée et corrigée par la suite pour la bonne compréhension. Bien, alors, pendant qu'il réfléchit, de préparation en ligne sont aussi donnés, permettant aux étudiants d'apprendre quelle que soit leur situation géographique. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion internet. Les inscriptions se poursuivent sur le site internet de l'INFAS, www.infas.ca. S'inscrire au cours de préparation en ligne ou en présentiel à l'INFAS, c'est se donner plus de chances d'avoir son concours.